quorum attendu de 33 membres. Nous avons des membres qui sont présents. Le quorum étant suffisamment atteint, nous pouvons siéger valablement. Est-ce qu'on peut adopter cet ordre du jour afin qu'on passe aux travaux? Si vous êtes d'accord, vous pouvez le manifester. Merci beaucoup. Je déclare ouvert ces travaux, tout en vous souhaitant que ces travaux se passent dans l'ordre et la discipline, afin de faire voir réellement la grandeur du club. Merci. Monsieur le délégué de la Luna Foot. À monsieur le représentant de la LIFCAT, à monsieur le président de l'entente de football de Colouésie, distingués invités, à vos qualités et titres respectifs. Nous vous adressons tous nos remerciements par rapport au temps que vous prenez pour venir au chevet de l'équipe de Simba. Vous avez des différents programmes, mais vous vous retrouvez à 7 heures dans cette assemblée pour cheminer avec nous, nous conseiller, cheminer avec nous, donc par des conseils, par des recommandations, ainsi de suite. Saison Napitaï, équipe Simba, il connaît ma difficulté à Mingi. Il y a ma difficulté écoutée. Il y a l'année précédente, Touri Chayo, au KO. Touri Anzane, il y a Pitaï, où tu as un comité. Après, tu as un comité. Tu as un Yua, tu as passé. Maintenant, tu as un staff technique. Tant il y a préparation, tu as un peu de temps. Alors, staff ya sasa le temps que Ibambe maîtrise la situation pour faire la phase à la Ikwe bien zaidi. Qu'à cela ne tienne, comme Kamikaze Chachake jusqu'au Mouisho, tout le combat, pour venir dans la phase de retour vers les Rikuya, pour la phase de play-off, pour la Sema, pour la Chimika équipe, tout est gagné de davantage. Tout le monde va Kamikaze, va t'excuser, va te remir. On a raté de peu pour faire une invite, mais tu as échoué au pied du podium. Le podium est à 3, mais il y a 4. Si tu es à 5e, tu as une possibilité de t'embouquer. Parce que, il tourne. Ma entité, il est tenu à l'application à règlement. On avait la possibilité de passer. Mais il y a eu beaucoup de choses, les choses que c'est moi. Tout a combat jusqu'au bout. Et grâce à Dieu, grâce à vous, moi beauté, moi t'ai accompagné, tu n'as pas ta première place, tu play down, tu comme maintenu. À ce titre-là, mon petit équipe, mon corps. J'ai qu'à play-off, tu t'engaries, éventuellement, comment tu as qu'à participation en Coupe du Congo. Si tu tentes chance, ça, ben, c'est tout bien. Comme équipe, Kiloko, moins âgée que Simba. Il fait comme ça, ma céleste richesse. Même si tu as un peu de temps, tu as un peu de. Donc, on pouvait aussi faire quelque chose, mais pourquoi lier? Parce qu'il y a beaucoup de problèmes pour participer. Play down pour que tu te maintenir la Ligue 1. Tu as un championnat de Miaka na Miaka. Comme du Congo, c'est relatif. Tu es obligé de faire des systèmes. C'est pourquoi on a un peu de temps pour que tu te maintiennes. C'est principalement le premier point nil. Ma calendrier quoi, chaque coup pendant, on devait jouer à Kinshasa contre Chikas le 20 mai, mais le 21 mai, tu n'as pas chez toi chez Mathieu et tu n'as pas chez Valente. La compétition, il y a importance quoi, tu quoi, ni play down, ni l'in en foot. Tu es obligé de faire des systèmes en dernière minute. Merci, on a eu raison. Il y a tout ce qui est maintenant, Coupe du Congo. Aspect, il y a tant que je signale, après tout qui est assemblé, il faut tout dire maintenant que l'organisation et l'équipe, dû à la saison, est tout ça. Tu l'as vendu, tu as la case, tu as la fin.
tutemelomba mwe kwenu kutupatia calendrier clair tufanye mes élections et tout a validé mwe benyo mfanye mes élections tout est validé tu installé maintenant ma structure vient installer dans la durée. Donc à tout patama mikanda à toi à tout ça nous allons y arriver. Tout d'abord tout me remercier président Tuetu Dieu a bio tebile konafanya Dieu a nguvu yo tele konafanya Dieu a financement yo tele konaleta ko équipe tout piquer embele président Tuetu. On a eu depuis président arrivé en Simba, Léon Simba a toqué la première. Si tu recoutes en Simba, tu pas comme rouge. Simba, il faut que ma calcul, Dieu a tes élus dans foot. Léo, on a eu un beau tes résultats, je le répète. Là où côté ton Afrika, mais la peine d'ici saison, il qu'on a couru, mon Simba ma pendo il couru. Mina lomba mapendo ikuyeko. Kama kuna difficulté na muntu, umufate muntu, usumburie, ubie ulete conseil, umweka mashishikie. Njoo nena kwenda kumedia, unena kwenda huku, unena kwenda huku. Me hapa, mina lomba, Simba, tupendane. Kama tunapendana, ekipi tenda mbari sana. Tukuna maproje ya mingi, na président Dieu en Simba mina lomba mapendo musimba mapendo musimba tunasikilizana njo kiloko ile milikuwa na wewe ya ku assemblée générale ordinaire saison sportive 2023-2024 introduction. En ce jour du 17 juillet 2024, l'association sportive Simba Kamikaze tient les assises de son assemblée générale ordinaire pour clôturer officiellement la saison sportive 2023-2024. En effet, monsieur le délégué de la Linafoot, chers membres du comité sportif, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, chers membres de l'auguste assemblée, suivant les dispositions permanentes des règlements généraux sportifs, en son article 80, notre association sportive se livre dans ce merveilleux cadre de l'hôtel Moon Palace pour vous faire rapport sur les activités auxquelles elle s'est appliquée au cours de la saison qui vient de s'écouler. En l'occurrence, il s'agit du championnat de la première division de la Ligue nationale de football Linafoot Ligue 1. Outre cette exigence des RGS, ces assises sont convoquées sur base de documents ci-après. Premièrement, l'INAFOOT. Nous avons différents communiqués de la l'INAFOOT qui nous interpellent à la tenue de ces assises. Je vous dispense de ces détails. Présentation du comité sportif. Depuis les assises de notre Assemblée générale du 18 juillet 2023, le comité sportif qui préside aux activités de l'AS Simba Kamikaze se présente comme suit. Présidente, Madame Masuka Saini Fifi, vice-président Louis Kiyombo Amwaka, secrétaire sportif Mutemba Mbangu David. Donc, pour la saison sportive 2023-2024, l'AS Simba a participé officiellement à deux compétitions. La Linafoot Ligue 1 et la Coupe du Congo, à laquelle on a désisté, bien évidemment. Rapport technique de la fin de la saison 2023-2024. Engagé à la 29e édition du championnat de la Linafoot cette saison 2023-2024, l'AS Simba avait les ambitions de faire un bon championnat et réaliser ses objectifs qui n'étaient autres que se qualifier pour le play-down. Pour le play-off d'abord, et ensuite aller chercher une place qualificative pour les interclubs de la CAF. Malheureusement, l'équipe a connu des difficultés de divers ordres pour commencer le dit championnat.
Nous avons eu du mal à faire un bon recrutement et cela ne nous a pas permis de faire une bonne préparation. Cet état de choses a fait que nous avons mal commencé le championnat avec de très mauvais résultats, surtout pendant la phase du premier tour. Les statistiques en annexe de ces rapports sont éloquentes à ce sujet. La saison a été une expérience enrichissante et riche en enseignements avec ses résultats et ses obstacles. Voici un aperçu de nos observations et de nos recommandations pour l'avenir de l'équipe. Le premier point, de la performance de l'équipe. Avec ce début de la saison très compliqué, l'équipe a eu du mal à maintenir sa performance tout au long de la saison. Les joueurs ont montré de belles éclairs de talent et de caractère, mais ont également fait preuve d'inconstance. Il est essentiel de travailler sur la cohésion de l'équipe et sur la capacité des joueurs à rester concentrés et motivés pour obtenir les résultats constants. De la tactique. Notre approche tactique a été solide dans l'ensemble, mais j'estime qu'il est nécessaire d'explorer les nouvelles stratégies pour diversifier notre jeu et surtout nos adversaires. Nous avons rédigé un rapport dont les éléments constitutifs sont les traumatismes sportifs, les maladies infectieuses, les maladies parasitaires. Cela avant, pendant et après la compétition. Les entorses, il y en a eu de trois types. Les entorses de type 1, type 2 et type 3 au niveau de la cheville. Au staff, le staff médical remercie les techniciens pour nous avoir accompagnés dans le traitement psychologique des athlètes en convoquant certains à l'adhésion du traitement médical moderne vu que certains des athlètes ont des rituels et religions différentes. Rapport financier des activités de l'AS Simba Kamikaze de Kolwezi pour la saison sportive 2023-2024. Présentation et fonctionnement. Pendant les 10 mois constituant la saison sportive, l'équipe a fonctionné avec les fonds de la présidente du club en la personne de son excellence Madame Fifi Masuka Saini, des fonds du vice-président Louis Kiyombo Wamwaka, sans oublier quelques bienfaiteurs. Le recrutement. La tâche n'a pas été facile pour le staff technique de gérer un effectif réduit avec autant de matchs car la qualification de joueurs se faisait en dents de scie. Pour les 34 joueurs ayant évolué cette saison au sein de notre équipe, 4 ont été remerciés en mi-saison et 30 ont fini la saison. Parmi eux, 22 étaient éligibles pour la première phase et 8 ont été qualifiés pour le play-down. Nous terminons par réitérer nos remerciements à son excellence Madame la gouverneure Fifi Masuka Saini, présidente de l'équipe, pour l'intérêt qu'elle accorde à notre chère équipe et lui souhaitons une bonne et fructueuse saison sportive 2024-2025, fait à Kolwezi le 17 juillet 2024. Monsieur Yannick Rubango, manager de l'équipe. Merci. Par rapport à ça, voilà qu'on vient de nous présenter 4 rapports. Le rapport administratif, le rapport technique, le rapport médical ainsi que le rapport financier. Est-ce que nous pouvons adopter le 4 rapports? Les adopter, veuillez vous manifester. Merci beaucoup. Les 4 rapports sont adoptés sec. Je commence d'abord par remercier la présidente du club pour les efforts consentis. Ce n'est pas une mince affaire.
les joueurs pour les sacrifices consentis aussi, et vous supportez pour votre accompagnement. Donc vous avez été à la hauteur. Je paie 20 jours à 22 jours avec des gens à Lubumbashi pour soutenir le club. Cela prouve à suffisance que le président Lamour est déjà là, mais il faut voir comment maintenant encadrer tout le monde afin que Lamour y soit partout où ils sont. Je voudrais finir avec deux choses. Vous faire comprendre que dans la vie, il y a deux préalables qui sont inévitables et incontournables. C'est la vision et le sacrifice. Donc là où il n'y a pas de vision et du sacrifice, dont nous n'allons rien espérer. On ne peut jamais réaliser de grandes choses dans la vie sans cela. Pourquoi vous verrez dans la vie, on commence d'abord par définir le besoin quand on veut atteindre les opportunités. On ne peut pas commencer par les opportunités et les besoins après. On définit toujours le besoin. Si on espère une grande équipe de Simba demain, c'est par rapport à la décision d'aujourd'hui. Quelle est la décision qui sera prise aujourd'hui? C'est pourquoi je vous exhorte, tous ceux qui ont construit vos points de divergence, des difficultés, doivent constituer cette année un nouveau départ pour le club, non pas la division. Donc, au nom de la Ligue nationale de football, je vous remercie grandement pour votre sens de responsabilité et votre discipline. Ainsi, je déclare clos le travaux de l'Assemblée ordinaire de AS Simba. Merci beaucoup.